problème, vous voyez ce qui se passe, vous avez une télé. Type Kalashnikov et Scorpio. Scorpio. Yo Leute, hier ist Banks, heute wieder eine Reaction auf Vice. Vice macht einfach die krassesten Dokumentationen. Deswegen bin ich damals auch zu denen gegangen. Es geht um Marseille, was die kriminellste Stadt Europas sein soll. Marseille ist in Südfrankreich, direkt am Meer und direkt bei Spanien. Perfekte strategische Lage für jegliche Routen. Ob es wirklich die kriminellste Stadt Europas ist, weiß ich nicht so genau. Zum Beispiel La Linea und Algeciras unten in Südspanien. In diesen Städten leben eigentlich nur Hafenmitarbeiter, Cops, Dealer und normale einheimische Bevölkerung existiert da fast gar nicht mehr. Ich war da früher auch mal unterwegs, so vor, keine Ahnung, 8, 9 Jahren, so schon ein bisschen länger her. Natürlich nur aus touristischen Zwecken, Frau Staatsanwältin. Und ja, da gehe ich mal wann anders drauf ein. Ich brauche noch ein paar Magazine im Schuss für weitere Sendungen hier. Wir schauen jetzt erstmal hier rein. Bevor wir ins Video starten, noch eine kurze Werbung. Mein Werbepartner CBD hat nämlich jetzt eine neue Kollektion am Start, nämlich Cali CBD. So sehen die aus. Orange X, Purple Kush CBG, LA Amnesia und Lucky Dude. In klassischen Cali Packs. Ich mache mal eine Tüte euch auf und zeige euch mal, weil das ist schon crazy. Also alle Leute, die mir erzählen, CBD ist nur Hecke, gebt euch diese Knolle und seid einfach nur still. Jetzt starten wir aber wirklich in die Weiß-Doku. Marseille, Kriminalität, Drogenhandel. Gebt euch. Ja, das Problem, vous voyez ce qui se passe, vous avez une télé. Ça tire partout. Les jeunes, ils tirent partout, ils veulent prendre des terrains. Moi, je suis payé 10 000 euros par mois. On m'a dit, s'il y a un problème, il faut que j'allume tout le monde. Et j'allume tout le monde, s'il y a un problème. Et deux véhicules sont arrivés à ma hauteur, des armes automatiques à la main, et qu'ils ont commencé à tirer. C'était quoi comme type d'arme? Type Kalashnikov et Scorpio. Scorpio. Ja, Kalashnikovs und Scorpions sind so die Standardwaffen eigentlich auf dem Schwarzmarkt. Ich kenne mich nicht so aus damit, aber ich habe das schon gehört auf jeden Fall, dass das verbreitet sein soll. In Deutschland haben sehr viele Leute Milieuwaffen. Ich hatte nie eine Waffe. So, du brauchst in Deutschland keine Waffe. In Deutschland ist die Waffe vielleicht noch so, die Leute wollen das haben, einfach als Sicherheit oder so, aber das ist nicht essentiell. Also das meiste in Deutschland wird über Diplomatie geregelt. Ja, Südfrankreich oder Spanien, da passiert das halt schon mal öfters. Ist aber im Endeffekt auch betrachtungsweise, weil für Amerikaner aus, keine Ahnung, Chicago oder so wird eine Todesrate von 25 Leuten pro Jahr sehr gering sein. Für uns Deutsche ist das wiederum viel. Hop, petit, efficace, rafaleux. On revient à cette violence. Cette violence, elle s'est banalisée aussi par le trafic de stupes. Le problème, c'est que les gens, ils sont gourmands, ils veulent prendre tous les réseaux de drogue, l'un après l'autre. Weiß hat definitiv die krassesten Intros, das muss man den schon lassen. Oh, de mer, on est encore là. Il n'y a pas que la police qui fait peur. On a plus peur d'autre chose. Pour le trafic de stupes, il se passe beaucoup de règlements. Hein? Donne-lui un 20 de masse, s'il te plaît. Oh, et qu'il entend parler de là-bas qui fait 60 000 euros, il veut un peu quand même prendre sa place. Et c'est comme ça qu'il se passe les règlements de compte, les braquages. Et du moment où tu es dedans, tu peux plus t'enlever. C'est fini. En principe, bei uns ist ja so ähnlich. Aber es wird schon ein bisschen anderer Drill bei denen so. Wenn du hier in Deutschland groß mit Business anfängst, wie bei Monopoly die eine Straße nach der anderen quasi übernimmst, dann machst du das, weil du willst Benz fahren. Du willst einfach den Drip haben. Da geht es um Status, da geht es um Macht vielleicht auch. Die Leute wollen sich damit was anderes vielleicht aufbauen. Es ist schon so ein Sprungbrett für viele, das Business. Aber da fährst schon mal ein anderer Drill. Ich denke, viele hier in so einem Stadtteil da in Marseille, die haben gar keine andere Perspektive. Oder zumindest so einen Tunnelblick auf ihre Welt, dass sie gar keine andere Alternative sehen, eben wie damit erfolgreich zu werden. Und Erfolg ist halt in dem Bereich immer mit hohen Risiken verbunden. Irgendwie ins Stadtteil geht, ohne andere Nationalität quasi ihren, ja, so ihren Gebietsanspruch hat, dann kann sowas auch in Deutschland schnell passieren.
Malheureusement, dans la nuit du 28 au 29 décembre, j'ai perdu mon grand frère et deux de ses amis dans un homicide. Ils ont été retrouvés tous les trois calcinés, démembrés. Parce que moi, mon frère, malheureusement, hein, paix à son âme, il était mêlé à des trafics de stupéfiants, oui, et j'ai pas d'honte à le dire. Le premier employeur, au final, hein, la première entreprise dans nos quartiers, c'est le réseau. Ich will ja eigentlich nicht bei jeder Sekunde unterbrechen, aber der eine oder andere kann auch vielleicht nicht so gut Englisch oder versteht nicht den Zusammenhang. Dieser junge Mann erzählt, dass sein Bruder ermordet wurde. Er war auch Teil des Drogenhandels. Er erzählt auch, dass in diesem Stadtteil The Ring, also der Drogenring, beziehungsweise im Gesamten der Drogenhandel, der größte Arbeitgeber ist für die Jugend. Und deshalb sich natürlich auch viele entscheiden, das schnelles Geld und der Nachbar macht's auch und dann kommt man natürlich schon ja eher in die Versuchung, damit einzusteigen. Marseille ist aber auch schon ja, prädestiniert dazu, eine kriminelle Stadt zu sein. Im Süden von Frankreich liegt sie direkt bei Spanien und direkt am Meer, also perfekter Angel- bzw. Knotenpunkt für Routen. Sehr hohe Arbeitslosigkeit, gerade unter jungen Leuten. Und ja, es gibt halt keine Alternative und das ist eben ein boomendes Geschäft. Da ist klar, dass viele junge Leute in dieses Geschäft einsteigen. Ali. For the latest killings, police had counted 11 dead from gang violence in Marseille this year. They aren't record numbers, but the surge is indisputable, tied to a drug trade that generates between 10 to 15 million euros a month in the city alone. On marche dans un monde où on arrive à cette violence, les gens ils se mettent des carottes, ils se tirent entre eux, l'autre il veut le terrain à l'autre, l'autre il veut le... On arrive à une violence qui s'est banalisée dans les quartiers à cause de ça aussi. Tu faisais ton braquage, jackpot, tu partageais, chacun rentre chez soi, c'est fini. Maintenant non, on veut la part de l'autre, on est jaloux de l'autre, et ça c'est ce qui engraine cette violence dans les quartiers. Der Typ sieht einfach eins zu eins aus wie jemand, mit dem ich in Urhaft in Butzbach saß. Den haben die damals mit einem extra Flieger von Spanien nach Butzbach geflogen. Was er hier erzählt ist, dass die Leute früher vielleicht kriminell waren, aber sich gegenseitig gegönnt haben. Jetzt ist jeder neidisch auf den anderen. Keiner gönnt mehr den anderen und es kommt zu immer mehr Gewalt. Die Leute gucken nur noch auf sich selbst, sind egozentriert. Ja, das ist so seine Grundmessage, die er hier mitteilen will. Pour moi, tout se passait bien. Franchement, je me suis vu avec plein de sous. Et tout ce qui commence bien se finit mal. La vie de chauve, c'est une vie de solitude. Et on passe beaucoup de temps seul. Pour moi, je pense pas trop à ça. À avoir une copine fixe ou bien. Mon temps, je le consacre pas trop. Je pense surtout à l'argent. Merci. Je me réveille tôt le matin, je viens à côté du centre-ville, je prends mon café, je prends le soleil, je profite de la journée, du début de la matinée et tout se passe bien. Alors après, je vais prendre mon poste de travail à 10h30 et voilà, tout commence. Moi je suis là, je suis guetteur, je regarde la route à l'entrée quand ça arrive, par l'entrée principale et je regarde s'ils ne viennent pas à pied, surtout les civils. Il faut être très vigilant et je regarde n'importe quelle faille, c'est mon job. Au cas où il y aurait la police, je crie un rat. Quand on crie ce mot, c'est que pour que tout le monde se sauve. Sein Job ist Spotter, er steht an einem strategischen Ort und ruft Ara, wenn die Cops kommen, auch bei Zivilbeamten, da hat er nach einer Zeit wahrscheinlich ein geschultes Auge für. Wenn so ein Zusammenhalt da ist oder so eine Struktur, dann ist es für die Polizei absolut unmöglich, da irgendwas zu machen. Der Typ wird wahrscheinlich aus irgendeiner Gemeinschaftskasse oder so bezahlt oder jeder steckt dir ein bisschen was zu. So. Die sind auf jeden Fall gut organisiert. C'est ici que ça se passe. Le client passe par là, il demande ce qu'il veut, nous on fait que la coque. À la base, nous on est ouvert de 11h du matin jusqu'à minuit. Là, il y a des paquets à 40, il y a des paquets à 20. Mais bon, il y en a qui sont plus pesés que d'autres par rapport aux clients, vu qu'il y en a qui viennent tous les jours. Hein? Donne-lui un 20 de masse. Merci. Genau so stellt sich der Otto-Normalbürger wahrscheinlich auch einen Deal vor. Gibt's auch, aber. Das ist nur ein kleiner Teil des Markts, so das meiste läuft wie ein seriöses Geschäft eigentlich ab. Und meistens nur so kleine Sachen halt wie hier irgendwo in so einem
Hinterhof. Hey, ciao. Voilà, ça c'était un client, il voulait un peu de drogue. Là, je me mets là parce que pour moi, on va pas dire que je suis en sécurité, mais je suis protégé. Parce qu'on le sait très bien que dans les charbons, il n'y a pas que la police qui fait peur. Auf jeden Fall, so selbst in Deutschland ist die Polizei in den meisten Gebieten noch das kleinste Problem, was man bekommen kann und in Marseille sowieso. On a plus peur d'autre chose. Moi, par exemple, j'ai perdu un frère aussi dans un règlement de compte par rapport à tout ça, au trafic de stupé, tout ça. Franchement, c'est la merde. Après, nous, si on fait ça, c'est qu'on n'a pas le choix. C'est juste pour rentrer de l'argent. Moi, pour moi, aujourd'hui, ils sont tous engrainés par la drogue. Tous les quartiers, il y a des charbons. Et le problème, c'est qu'il y a des réseaux qui font 5 000 euros, il y a des réseaux qui font 10 000, il y a des réseaux qui font 30 000, il y a des réseaux qui font même 50 000, 60 000. Et les réseaux, par exemple, le patron d'un réseau qui fait 5 000 euros et qu'il entend parler de là-bas qui fait 60 000 euros, il veut un peu quand même prendre sa place. Ja, safe, so ist das. Wenn jemand 10k im Monat macht, was eigentlich schon zu viel ist zum Leben, also man kann sich da mehr als genug von leisten. Und da sieht aber jemand anderes, der 50k im Monat macht, dann schaltet das Gehirn aus und die Gier kommt. So entsteht halt einfach eine Gewaltspirale, die halt immer größer wird. Steht uns in Deutschland, denke ich, auch noch bevor. Die Legalisierung wird das Ganze vielleicht ein bisschen aufhalten, aber es gibt ja noch weitere Bereiche, wo die sich bekämpfen können. Et c'est comme ça que se passe les règlements de compte, les braquages. C'est l'argent facile. Et du moment où tu es dedans, tu peux plus t'enlever. C'est fini. Moi, je suis un mec du quartier, je suis un ancien, j'ai 40 ans, je suis un ancien braqueur. Dans le braquage, il n'y a plus rien à faire. C'est fini, le braquage, c'est mort et enterré. Je suis salarié, si on peut dire ça comme ça. Moi, je suis payé 10 000 euros par mois. On m'a dit, s'il y a un problème, il faut que j'allume tout le monde. Et j'allume tout le monde, s'il y a un problème. Aussi, d'un Glock 9 mm monté sur un kit fusil d'assaut. Donc, je vais vous montrer un peu le fonctionnement. Voilà. Des enclenches comme ça, je vais vous montrer doucement pour que vous voyez un peu comment on fait. Voilà. On a le lock. Donc il faut bien que je gagne ma vie, à Marseille ou dans d'autres villes. Hein. Le problème c'est que les gens ils sont gourmands et ils veulent prendre tous les réseaux de drogue, l'un après l'autre. Donc ça veut dire que si les réseaux ils sont pas équipés de gens comme moi, ben ils ont d'énormes problèmes. Ici vous êtes à Marseille, ici. Il y a 20 morts par an. Cette année, 25 morts par an. En face, en fait, ils sont jeunes. Ils tirent sur n'importe qui, sur n'importe quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a une certaine sécurité. Et que des fois, si le cas, on va dire, il le vaut, je suis obligé de vider quelques chargeurs. Ja gut, die Szene, weiß ich nicht ganz so genau, was ich davon halten soll. Ob die da wirklich einen Auftragsmörder vor die Kamera bekommen haben. Keine Ahnung. Ein bisschen überpathetisch diese Szene gemacht auf jeden Fall. Also 20 bis 25 Morde pro Jahr ist für eine europäische Stadt auf jeden Fall viel. Aber so wie er es jetzt darstellt, dass die Leute sich die ganze Zeit gegenseitig abknallen, so ist es jetzt auch noch nicht. Also so wie in Mexiko beispielsweise, wo Schießereien ständig auch noch Zivilisten zu Opfer fallen und so. Aber man merkt, es geht in die falsche Richtung. J'ai été victime d'une tentative d'assassinat. Juste par rapport à ma réputation. Ce jour-là, je sortais de chez moi, j'allais voir un collègue à moi. Et deux véhicules sont arrivés à ma hauteur. Il a suffi de deux minutes pour que je me rende compte en fait que c'était pour moi. Et à ce moment-là, j'ai vu deux gars sortir, cagoulés, des armes automatiques à la main. Et qu'ils ont commencé à tirer. Sans sommation, sans raison. Et à tirer, à tirer, à tirer. Comme une autruche, j'ai mis la tête sur le volant, hein. J'ai pas cherché à comprendre. Il y en a un des gars que j'ai pu lui dire, va voir s'il vit, mais l'autre gars, il a dit, on lui a trouvé la tête, regarde, la tête, elle fume, il y a tout qui fume dans le véhicule. Il m'a touché du bout du canon pour voir si j'étais vivant. Là où j'ai relevé ma tête et que j'ai foncé première, deuxième, j'ai tamponné le véhicule qu'il y avait devant moi et je me suis faufilé entre le terre-plein et le véhicule et je me suis échappé. C'est avéré qu'on a retrouvé plus de 42 impacts à l'intérieur du véhicule. Ok, krass. Die haben ihn verfolgt, auf ihn geschossen, 42 Mal. Er ist nur entkommen, weil er in dem Verkehr sich noch herausgeschlängelt hat. Und jetzt stellt er sich dahin und macht wirklich wie ein Mann sein Interview, redet darüber und versucht, was an der Situation zu ändern. Die Leute aufzuklären, nicht in solche Kreise zu kommen. Vous voyez là-bas, là, tout en haut, on voit,
on voit le plein d'arbres et un peu plus loin la gavotte, etc. Enfin, on voit que c'est des quartiers qui sont complètement isolés. Hein. On a l'impression que c'est la campagne. Il y a trois îlots, trois immeubles tout en haut. Il n'y a pas de métro qui va jusqu'à là-bas, il n'y a pas de tramway qui va jusqu'à là-bas, il y a un bus qui part tous les siècles et encore. La disposition des immeubles, le mélange hein, entre la colline, la montagne, la verdure et les immeubles, ce mélange un peu urbain, un peu campagne, ah bah, il est magnifique. Auch das Ghetto hat seine schönen Seiten. Malheureusement, dans la nuit du 28 au 29 décembre, j'ai perdu mon grand frère et deux de ses amis dans un homicide. Ils ont été retrouvés tous les trois calcinés, démembrés. Quand tu es touché, justement, c'est à ce moment-là que tu es légitime pour porter ce combat. C'est à ce moment-là que tu es légitime pour aller voir d'autres jeunes et leur dire non, ne faites pas ça, parce que moi, je sais ce que c'est que faire ça. Je sais les issues qu'il y a à faire ça. C'est soit la prison, soit le cimetière. Donc, je me suis dit que pour mon frère, pour ses amis, pour toutes les autres victimes, que je me devais de porter ce combat. Krasse story, auf jeden Fall. Bruder wurde zusammen mit zwei Kollegen ermordet. Die wurden verbrannt und zerstückelt aufgefunden. Er setzt sich jetzt dafür ein, dass junge Leute nicht mehr diesen Weg einschlagen und wissen, was es bedeutet, sich in diese Kreise zu bewegen. Stabiler Typ auf jeden Fall. Quand on est petit, qu'on sort de l'école et qu'on voit le réseau juste à côté avec le cousin ou le copain ou le voisin et qu'on voit qui fait que ça et que toute la journée on nous bassine avec ça en disant que le premier employeur au final, hein, la première entreprise dans nos quartiers, c'est le réseau. Alors donc juste ici, on a notre école, l'école élémentaire, il n'y en a pas qu'une, hein, il y en a 4 ou 5 dans le quartier. On a la piscine juste en face et en fait tout a été conçu justement pour qu'on ne sorte pas de ces quartiers. Pour que ces 8000 personnes, hein, c'est quand même la plus grande cité de Marseille, pour que ces 8000 personnes restent enfermées ici et ne sortent pas pour voir bah, justement ce qu'il y a ailleurs. On est enfermés dans ces ghettos à ciel ouvert et on est juste emprisonnés ici. Wirklich krasse Doku auf jeden Fall. Hat mir sehr gefallen. Auch wenn es einem wieder zeigt, wie verrückt und krank diese Welt ist. Am Ende sagt er noch, dass sie wie in einem Open-Air-Ghetto eingepfercht sind, die Leute da. Das politisch wirklich so gewollt ist, keine Ahnung, ich kenne mich mit französischer Politik nicht aus, habe nur mal so ein bisschen mitbekommen, dass da auf jeden Fall eine große soziale Spannung in dem Land ist und ja, ich hoffe, dass wir solche Zustände auf jeden Fall nicht in Deutschland bekommen, obwohl es ja in manchen Regionen schon fast so weit ist, leider. Wenn ihr Bock auf noch mehr Reactions auf solche Videos habt, dann folgt mir auf Twitch, da habe ich nicht ganz so die Probleme mit Copyright und so und da können wir uns den krassen Shit anschauen. Thank you.